Also, meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Signore et Signori, Stimmate Signores et Signors, Ladies and Gentlemen. Vor allem möchte ich mich für diese Einladung herzlich bedanken. Freut mich sehr, heute mit Ihnen zu sein und diese Gelegenheit zu haben, mit Ihnen interessante, also wenigstens meines Erachtens interessante Fragen anzusprechen, nachzugehen. Und ich werde diesen Vortrag auf französischer Sprache halten, wie es schon im Voraus geplant worden war. Ich bin natürlich gerne bereit, anschließend Fragen entweder, also in den anderen Landessprachen, mit Ausnahme von Rätoromanisch und auch auf Englisch entgegenzunehmen. Ne? Also zuerst vor allem besten Dank, merci beaucoup pour cette invitation, merci beaucoup d'être là si nombreux un samedi matin. Moi-même j'ai hésité à me lever ce matin, je vous avoue, mais je voulais pas faire ce coup-là à Léonard, donc j'ai dit bon, allez, on se lève et on fait les 2 heures de route pour venir ici un samedi matin. J'ai été récompensé parce qu'il faisait un temps épouvantable à Genève et il faisait tellement beau ici en arrivant. Alors j'aimerais vous parler aujourd'hui en quelques mots, en espérant que le pointeur marche. Pour l'instant, non. Bon. Pas de problème. Le problème va s'arranger. Non, ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui un petit peu, c'est d'enjeux actuels dans l'enseignement et apprentissage des langues étrangères. Et je vais le faire du point de vue, merci beaucoup, de l'analyse économique. Mais comme ça a été rappelé à l'instant par M. Cliva, les choses sont complexes, les choses sont en lien les unes avec les autres. La dimension économique, elle est en partenariat, elle est en interaction avec d'autres dimensions dont je vais également essayer de vous parler aujourd'hui. Alors, le plan pour ce matin, notre game plan, si vous voulez, ce sera de parler d'abord de l'aspect économique de manière assez centrale, et puis après, on va déborder sur d'autres thématiques, et si on a le temps, je vais essayer de bousculer quelques vaches sacrées. Parce que Dieu sait qu'il y a des vaches sacrées dans le domaine de l'enseignement des langues. Et j'aime bien citer à cet égard un prof avec lequel j'ai eu l'occasion de travailler à Seattle il y a longtemps, professeur Jonathan Poole, qui était politologue, et qui disait « Language is a subject about which lay people and specialists alike seem to hold extraordinarily stubborn beliefs, des croyances extraordinairement obstinées ». Ça me concerne aussi, du reste. Hein. On a, je crois, des croyances extraordinairement obstinées dans le domaine des langues et on va tâcher de les bousculer un petit peu. Au début, on va commencer gentiment. On va pas bousculer grand-chose dans les premières dias. Simplement pour rappeler, effectivement, on est dans un contexte économique, politique, dont il faut tenir compte. Et ce complexus, si vous voulez, langue et économie, est un élément de cadrage, un parmi d'autres, d'une politique d'enseignement des langues. Le but d'une analyse économique, fondamentalement, c'est de nous aider à bien peser le pour et le contre. L'économie est passionnante pour différentes raisons, mais ce qui la rend véritablement, à mon avis, utile, c'est que ça nous aide à poser les problèmes d'une manière un peu structurée, un petit peu cohérente, un petit peu systématique peut-être. Mais précisément parce que on veut être systématique, il faut avoir une vue assez large. You have to cast the net wide. C'est-à-dire qu'il faut tenir compte dans une pesée économique des différents éléments, du pour et du contre, de différents scénarios. Il faut tenir compte, parce qu'on est dans une logique économique, il faut tenir compte d'éléments qui sont souvent considérés comme non économiques. C'est là que, au fond, l'économie peut nous servir à développer une vision d'ensemble. Alors, on va avoir besoin de quelques notions essentielles. On va commencer par ces notions, puis après on va tâcher de s'en servir. Alors, on va parler d'abord d'allocation des ressources. L'économie, au départ, ça sert à savoir comment on alloue nos ressources rares. Ça nous permettra, par exemple, de parler de taux de rendement des compétences en langues étrangères. Et puis ensuite, on parlera de distribution des ressources. Et ça, c'est quelque chose qui, économiquement, est tout aussi important. C'est une fois qu'on a utilisé nos ressources pour produire des trucs et des machins, des choses matérielles ou des services, des valeurs immatérielles également, la question qui se pose après, c'est comment est-ce que ça va être réparti, comment est-ce que ça va être distribué dans une population. Et à ce moment-là, se posent des questions d'équité, et ces questions d'équité se posent également en rapport avec l'enseignement des langues étrangères. Alors, les questions qui se posent,
quand on s'intéresse à l'évaluation de nos politiques d'enseignement des langues, c'est assez intéressant de voir que souvent on met un petit peu la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire qu'avant de se poser la question de savoir comment bien enseigner telle ou telle langue étrangère, il faudrait se poser la question de savoir le quoi et le pourquoi. Qu'est-ce qu'on veut enseigner et pour quelles raisons on veut le faire? Alors, quelle langue étrangère enseigner? Bon, là, je prends l'exemple de Genève. Est-ce que dans nos salles de classe, on va enseigner exclusivement l'allemand ou est-ce qu'on va également proposer un accès au dialecte alémanique? C'est un débat chez nous depuis longtemps. Vous avez vu du reste que dans le canton du Jura, ils sont allés un petit peu plus vite puisqu'ils ont décidé d'introduire le développement des compétences réceptives en dialecte alémanique dans le cadre des cours d'allemand. Ça fait des années que je dis qu'on devrait faire de même. Ce n'est pas encore fait. Bon, l'anglais, oui, l'espagnol, bon, il y a une forte demande pour ça. Est-ce qu'il faudrait proposer du chinois? Il y a des parents qui le réclament. Est-ce qu'il faudrait développer le concept de la LPA, sur laquelle on va bientôt revenir? Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré le concept de LPA, qui a été développé par une commission patronnée par l'écrivain franco-libanais Amin Maalouf, qui disait il faut développer ce qu'on appelle la langue personnelle d'adoption. C'est-à-dire encourager tous les apprenants à vraiment mettre le paquet, à développer une passion personnelle pour une langue, pas forcément une langue de grande diffusion, ça peut être le finnois, ça peut être l'estonien, mais développer un contact intime avec une langue, avec la culture qui va avec, etc. Alors, ces questions-là, elles devraient se poser quand même. Avant de se demander comment est-ce qu'on va enseigner plus ou moins efficacement, qu'est-ce qu'on va enseigner? À part ça, pour répondre à la question, il faut peut-être aussi en aborder une autre. Enseigner quoi, mais à quels apprenants? Tous les apprenants n'ont pas forcément les mêmes besoins. D'abord, en termes de langue elle-même, mais aussi en termes des niveaux que l'on va viser. En termes de quelles compétences? Est-ce que là aussi, quand on réfléchit fondamentalement aux optiques de notre politique d'enseignement des langues, est-ce que ça vaut la peine de différencier les compétences écrites orales, productives et réceptives, etc.? Suivant ce qu'on met comme langue dans le panier, je pense que oui. Je suis un grand fan de ce qu'on appelle l'intercompréhension, le développement des compétences réceptives dans les langues voisines. On y reviendra un petit peu plus tard. À part ça, dans les méthodes pédagogiques, naturellement, on va se poser la question de la manière plus ou moins uniforme ou différenciée avec laquelle on va transmettre ces savoirs. Et, quelles que soient les réponses qu'on donne à ces différentes questions, il faut avoir une réponse à la question « mais pour quelle raison? Pourquoi est-ce qu'on fait ça ?» Or, malheureusement, très souvent, je vois qu'il y a des décisions qui sont prises comme ça, parce que ça a l'air d'être une bonne idée. Et je vois ça tout particulièrement au niveau de l'enseignement universitaire, notamment au niveau des choix en matière linguistique dans les politiques d'enseignement des universités, où les décisions semblent parfois être prises, je dis parfois par prudence, mais je pourrais l'enlever, être prises simplement parce que ça a l'air d'être une bonne idée, mais souvent c'est un cliché. Souvent, c'est le simple reflet d'un extraordinarily stubborn belief. Alors, si on tâche de reprendre cette idée que l'enseignement et l'apprentissage, l'enseignement qui résulte d'une décision souvent centralisée, l'apprentissage qui est ce qu'un apprenant met dedans avec des motivations extrêmement complexes, si on tient compte que ça se passe dans un contexte dans lequel les gens ont des objectifs personnels assez différenciés, on peut tâcher d'entrer dans la question en se disant quels sont ces objectifs, quelles sont les motivations des apprenants. Alors, on va commencer par une citation d'un prix Nobel d'économie. Le seul, parmi les prix Nobel d'économie, il y en a un par an, mais c'est le seul qui se soit sérieusement intéressé aux langues. Les économistes, d'habitude, ça ne les intéresse pas. C'est le seul qui s'y soit intéressé. Donc, je vous donne ici la citation qui date de 1998 et qui est dans la langue originale dans laquelle il s'est exprimé. « Kia omoi lernas fremdaj lingvoj. Li pensis ke por la plej multaj homoj rolas unue vice ekonomia kaj kialoj. Unue, li pensis ke per la lernado de fremda lingvo oni eble volas atingi la plej grandan nombron de homoj kiujn oni aliel ne povas atingi. Sed nur supraĝa rigardo de la faktaj nombroj konvinkis nin, ke ne estas la nombro de homoj kiujn oni volas atingi, sed la nombro de la dolaroj. C'est clair pour tout le monde? Qui a deviné? Qui a compris? Ben voilà, levez-vous ceux qui ont compris. Ceux qui ont compris une partie.
Ah ah, quand même, voilà. C'est une langue qui se veut très transparente, c'est l'espéranto. L'espéranto, du reste, qui était parmi les langues utilisées sur la première diapositive de Bienvenue de Léonard, il y avait Bienvenue, entre autres, en espéranto. Il y avait aussi dans des langues très jolies, j'ai vu noter qu'il y avait le géorgien, il y avait Gamarjova en géorgien, avec un des plus beaux alphabets du monde. Mais néanmoins, là, ce que nous dit le prix Nobel d'économie Reinhard Zelten, qui ne dédaigne pas, en tant que prix Nobel d'économie, de s'exprimer en espéranto, c'est de dire pourquoi est-ce que les êtres humains apprennent des langues étrangères. Nous pensions que, pour la plupart des gens, ce qui tient le premier rôle, ce qui est le plus important, c'était des raisons économiques. Déjà une vision un petit peu matérialiste à laquelle je souscris qu'en partie. Mais bon, nous pensions au départ, la question c'est les valeurs économiques. Donc, comment est-ce qu'on va les opérationnaliser, si vous voulez? Alors, nous pensions au départ que pour l'apprentissage des langues étrangères, peut-être, eble, ça veut dire peut-être, peut-être qu'on voulait atteindre le plus grand nombre possible de personnes, que sinon on n'atteindrait pas, on ne rejoindrait pas sans apprendre ces langues étrangères. Mais un regard rapide, voire superficiel, suprage, sur les nombres, les données factuelles, nous a convaincus que ce n'est pas le nombre de personnes qu'on cherche à atteindre. Ce qui est vraiment déterminant, c'est le nombre de dollars. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que l'apprentissage des langues est uniquement une question de fric, ou principalement une question de fric? Alors, je pense que non. Alors, en partie, c'est ça, on va parler de ça, parce que je pense que c'est une partie importante, puis on va tâcher, après, d'élargir un tout petit peu. Donc voilà, Reinhard Zelten, 1998, si vous voulez regarder ça de plus près. Alors, revenons à la distinction dont je vous ai parlé d'abord. Ceux d'entre vous qui ont eu des cours d'économie ici ou là se souviennent peut-être de certaines des questions fondamentales de la discipline. Que produire et comment produire? Eh bien, que produire, comment produire, c'est la réponse au problème de l'allocation des ressources. On a des ressources limitées, alors ça peut être des ressources matérielles, de l'argent, etc. Mais ça peut être aussi des ressources immatérielles comme du temps ou un réseau de soutien, un réseau social par exemple. Tout cela, ce sont des ressources qui sont pertinentes économiquement parce qu'elles sont limitées. Dès qu'une ressource est limitée, il y a un problème économique. Hein. Si rien n'était limité, il n'y aurait aucun problème économique. L'économie n'a de sens que parce que les ressources sont limitées et puis qu'il faut se poser la question de savoir comment on va les employer. Et on va tâcher de les employer de manière efficace ou efficiente. C'est pas tout à fait la même chose. Ceux d'entre vous qui ont eu des cours d'économie connaissent la différence. Elle n'est pas essentielle pour nous maintenant. Donc on va tâcher de maximiser à travers notre usage efficace ou efficient de ressources, de maximiser la valeur. On va voir après ce qu'on veut dire par valeur, parce que c'est pas si simple que ça. En même temps, il faut distinguer la notion de la distribution, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. Ces ressources, il faut savoir comment elles sont réparties dans une société, ce qui soulève des questions d'équité ou de justice. Et c'est la troisième grande question de l'économie, pour qui produire. Hein. Donc les grandes questions économiques, que produire, comment produire, pour qui produire, elles vont être au cœur d'une approche économique de la langue. Et naturellement, la réponse, ça va être de trouver une répartition socialement acceptable de ces valeurs. Cette répartition socialement acceptable, ça varie beaucoup selon les périodes. Nous vivons actuellement dans une économie de type capitaliste, dans laquelle la réponse à la question pour qui est-ce qu'on produit, eh bien, on produit pour les gens solvables. En gros, c'est ça. Non. Mais vous auriez d'autres réponses possibles. La réponse traditionnelle du communisme était à chacun selon ses besoins. Vous avez des sociétés en guillemets traditionnelles dans lesquelles un certain nombre de normes sociales et de traditions régissent la manière dont on va répartir la valeur créée dans une société. Bon, nous on vit dans une société qui a choisi, et ça marche assez bien, tout bien posé, une société qui fonctionne en disant essentiellement c'est la solvabilité. Comme ça crée des sociétés qui sont souvent un peu brutales, si on en reste à cela, nous avons des systèmes de redistribution. Donc on part de l'idée de la distribution, puis après on passe à la redistribution. Donc on a cette distinction claire, on se dit il faudra tenir compte à la fois de l'allocation efficiente des ressources et de la distribution équitable des ressources comme guide pour déterminer quel type de politique d'enseignement des langues on veut, puisque cette politique va avoir une dimension allocative et une dimension distributive. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait s'interroger un peu sur ce que c'est que la valeur. Et là, ça vaut la peine de différencier quatre niveaux. Ils sont très importants dans l'enseignement des langues.
Si on produit quelque chose pour nos apprenants, si on produit quelque chose qui est une forme de capital humain, c'est-à-dire la capacité à comprendre ou à s'exprimer dans différentes langues, si on produit cela, on est à cheval sur plusieurs types de valeurs. Parce qu'on produit là quelque chose de complexe. Si vous produisez quelque chose d'un petit peu plus simple, des pommes ou des tomates, en général, vous pouvez vous contenter de travailler en valeur privée marchande. Quand on produit du capital humain linguistique, ben c'est plus complexe. On est obligé d'aller un petit peu plus loin. Alors parlons-en. Commençons par voyez cette colonne-là, les valeurs privées. Ce qu'on appelle les valeurs privées, c'est les valeurs qui sont appropriables par les personnes. Donc c'est par exemple des choses que vos apprenants, vos élèves, vos étudiants, ils acquièrent grâce à vous, ils acquièrent du capital humain, de la compétence en allemand, en anglais, en français, en italien, etc. Et c'est une valeur qu'ils développent, notamment grâce à l'enseignement, qui a deux composantes. Une composante marchande, c'est le fait, par exemple, que cette compétence sera vendable sur le marché du travail. C'est un petit peu ce à quoi Reinhard Zelten faisait allusion. Et une valeur non marchande, qui est tout aussi pertinente d'un point de vue économique. C'est-à-dire que si on apprend une langue, si on investit là-dedans, c'est non seulement parce que on se dit « ça va me rapporter sur le marché du travail », mais aussi parce que ça me donne un accès direct à la culture de tel ou tel pays qui m'intéresse, ça me permet de voyager plus facilement, ça me permet de lire certains auteurs, ou bien j'ai un goût personnel, un plaisir personnel à apprendre telle ou telle langue. Ces motivations-là, elles sont parfaitement pertinentes d'un point de vue économique. C'est normal, dans une pesée économique, d'en tenir compte. Alors, quand on prend des décisions en tant que société, parce qu'en tant que société, on va prendre des décisions sur quelle langue on inscrit dans les programmes scolaires, quelle langue on va utiliser comme langue d'enseignement, etc., on ne peut pas simplement en rester à une vision privée. On ne veut pas simplement chercher à maximiser la valeur privée. Il faut raisonner en termes de valeur sociale. Les deux ne sont pas antithétiques. Simplement, le rapport entre les deux, il est complexe. Quand vous faites des pommes ou des tomates, la valeur sociale, c'est la somme des valeurs privées. C'est simple, hein, au niveau simplement de... Si on a envie de déterminer, de choisir une politique se traduit par la production de plus ou moins de pommes, ou de plus ou moins de tomates ou de poires, on peut très bien prendre une valeur privée type, puis on la multiplie par le nombre de personnes, puis on a une valeur sociale. Ça marche. Quand on est dans des choses plus complexes, ça ne marche plus. L'exemple traditionnel, c'est l'économie de l'environnement. C'est du reste en économie de l'environnement qu'on a le plus réfléchi à ce genre de problème, en se disant comment est-ce qu'on passe d'une valeur privée à une valeur sociale. Pour ceux d'entre vous, peut-être que ça éveillera quelque chose, pour ceux d'entre vous qui ont abordé ça dans leur cadre de leur cours, il y a quelque chose qui s'appelle des externalités, positives ou négatives. Un exemple d'externalité négative, c'est la pollution. Hein. Si on additionne les valeurs privées, moi je suis venu en voiture ce matin, j'ai un peu honte, mais sinon j'aurais dû me lever beaucoup plus tôt. Ce faisant, j'ai dépensé de l'argent pour l'essence, l'usage de mon véhicule, j'ai une vignette, enfin, etc. Mais voilà ce que ça me coûte. Par contre, j'ai créé un coût supplémentaire qui est la pollution, que nous subissons tous, moi, puis les gens qui habitent le long de l'autoroute, vous, etc. Donc la somme des valeurs privées, si on faisait la somme de la satisfaction que j'ai eue à pouvoir venir de Genève à Sierre en voiture ce matin, on va arriver à une valeur sociale qui va être incorrecte, parce qu'il faudrait en déduire le coût matériel ou psychologique de la pollution que j'ai engendrée moi-même ce matin. Alors, la valeur sociale, c'est pas forcément la somme des valeurs privées. Pour les pommes et les tomates, oui. Pour la pollution, enfin, pour l'environnement, non. Et pour les langues, non plus. Pourquoi? Parce que la langue est un bien de réseau. Et c'est un bien de réseau spécialement complexe. Et c'est ça aussi que Zelten voulait dire dans sa citation, dans l'extrait qu'on a vu. Plus de gens apprennent une langue, plus ça rend la langue en question utile pour ceux qui l'ont déjà apprise. Donc l'apprentissage d'une langue par un de vos élèves, ça crée un bénéfice non seulement pour lui parce qu'il l'apprend, mais ça crée indirectement, du même coup, des bénéfices pour les personnes qui savaient déjà cette langue parce que ça leur fait une personne de plus avec laquelle interagir. D'accord ? Donc de ce point de vue-là, il y a ce qu'on appelle une externalité positive.
Il y a aussi une externalité négative en ceci que plus de personnes, et ça on va le voir dans un instant, plus de personnes apprennent par exemple l'anglais, plus ça va rendre l'anglais banal, plus ça va faire baisser la valeur de l'anglais sur le marché du travail, y compris pour ceux qui le savaient déjà. Donc peut-être que certains de vos élèves se disent, et c'est une bonne idée, j'investis dans le chinois parce que ça va me procurer toutes sortes d'avantages sur le plan professionnel. C'est vrai, mais cet avantage va s'éroder au fur et à mesure que d'autres personnes apprennent le chinois. Donc là, vous avez une externalité négative. Alors, le passage de la valeur privée à la valeur sociale, dans le cadre des langues, c'est un problème que, dans la recherche, on n'a pas encore pleinement résolu. On a des morceaux de résolution, mais on sait simplement qu'il y a une zone un peu floue, qu'on maîtrise mal, qu'on connaît mal, et sur laquelle il y a de la recherche qui est en cours actuellement. Mais on tâtonne un petit peu, je vous le cache pas, hein, parce que c'est vraiment un problème assez complexe. Alors, je vais d'abord vous parler dans ce qui suit, décidément, je vais vous parler surtout de la valeur privée marchande, parce que c'est une composante, à mon avis, importante et intéressante. Et puis, c'est aussi celle qu'on connaît le mieux ou le moins mal, puisqu'il s'agit des taux de rendement des compétences en langues étrangères. Alors, j'ai déjà, au fond, traité ces exemples de valeurs privées, marchandes et non marchandes, pardon, excusez-moi. Et donc, la valeur marchande dont je vais parler, c'est ces différentiels de revenus liés ou vraiment issu, si vous voulez, des compétences linguistiques, et c'est simplement pas les seules. Plus on a de compétences linguistiques, plus large est la gamme d'emplois auxquels on peut prétendre. Ce sont souvent des emplois plus intéressants. Un autre avantage des compétences en langue étrangère, c'est qu'on a accès à des prix plus bas. C'est du reste une chose importante, on l'a vu dans une autre enquête, je peux vous donner la référence du livre qui en est sorti, mais je ne vais pas en parler davantage maintenant. Quand on regarde à quoi servent les compétences en langues étrangères dans les entreprises en Suisse romande et alémanique, c'est pas pour vendre, enfin oui, c'est aussi pour vendre, mais c'est beaucoup pour acheter. C'est dans les divisions achats que les compétences linguistiques sont souvent le plus représentées et valorisées, parce que avoir la langue de votre fournisseur, pas de votre client, ça vous permet de négocier un meilleur deal. Donc, vous avez aussi, de manière générale, des accès plus rapides et meilleurs marchés à l'information. Alors, et puis les aspects non marchands, j'en ai déjà un petit peu parlé. Donc, on travaille maintenant un petit moment sur les différentiels de revenus, et je vous propose de jeter un coup d'œil ici à un certain nombre de chiffres que je vais commenter. La Suisse est un des rares pays à les avoir. Pourquoi est-ce qu'on est un des rares pays à avoir des chiffres comme ça? C'est parce que pour les calculer, ça c'est des chiffres qui sortent pas tout seuls, il y a une procédure statistique pour y arriver, il faut obtenir au départ des informations sur les compétences linguistiques du public, sur leurs revenus, ce qui est pas facile à obtenir, sur d'autres choses comme leur degré de formation, leur nombre d'années de formation, éventuellement le secteur économique où ils travaillent, etc. Il faut toutes ces informations-là pour pouvoir faire ce calcul des différentiels salariaux. On appelle ça quelquefois des taux de rendement, c'est un tout petit peu inexact, c'est plutôt des différentiels nets. Alors, commentons-les rapidement. Que vaut... voyons. Plaçons-nous en Suisse romande, séparément pour les hommes et pour les femmes. Pour un homme en Suisse romande, savoir l'allemand à un certain niveau qui est à peu près du B2-1, si vous voulez, en référence au cadre européen, ça fait une prime salariale moyenne de 13,8% en moyenne. Hein. Alors, si vous fractionnez cette information, si vous la traitez autrement, si vous considérez uniquement ceux dont les compétences sont encore plus élevées, ce taux est encore plus élevé. Mais en gros, ce que ça veut dire, c'est que si vous prenez deux hommes en Suisse romande, un qui sait l'allemand, puis l'autre qui sait pas l'allemand, et qu'ils ont par ailleurs le même niveau de formation et le même nombre d'années d'expérience professionnelle, parce que vous avez la même ancienneté, si vous voulez, dans la profession, celui qui sait l'allemand, toute autre chose égale par ailleurs, aura donc une prime de presque 14% en moyenne. Hein, ça ne vaut pas pour tout le monde, c'est une valeur moyenne. Et puis, l'anglais rapporte également une prime un petit peu plus faible, 10%. C'est quand même considérable, 10%. Moi, je ne cracherais pas sur un petit supplément de 10% à mon salaire. Je pense que personne, aucun d'entre nous. Mais ce que je tiens à souligner,
c'est que dans le contexte de la Suisse romande, les compétences dans l'autre langue nationale sont davantage rémunérées que les compétences en anglais. Ça, c'est peut-être un point qu'il ne faut pas oublier. Alors, regardons en Suisse alémanique. En Suisse alémanique, vous avez, donc avec les mêmes spécifications, et toujours pour les hommes, une prime de 18% pour l'anglais. Donc, compétences qui sont en moyenne très bien rémunérées en Suisse alémanique. Pour le français, les compétences linguistiques, c'est 14%. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Vous voyez, c'est le 14,7 ou le 13,82, c'est extrêmement proche. Autour de 14%, ça semble assez bien tenir au niveau des deux principales régions, c'est quand même l'essentiel démographiquement et économiquement de la Suisse, vous avez à peu près la même rémunération, assez symétrique, pour les compétences dans la première, la principale autre langue nationale. Alors, peut-être que certains d'entre vous connaissent un monsieur qui s'appelle Xavier Contès. Vous avez déjà entendu parler de Xavier Contès, représentant roman de Avenir Suisse. Avenir Suisse qui est le think tank de Économie Suisse, qui est au fond la fédération patronale de la grande industrie. Et je me suis pris de bec avec monsieur Contès à la radio il y a un an ou deux, parce qu'il disait, ah mais vous savez, pour les alémaniques, c'est normal qu'ils veuillent faire que de l'anglais, parce que le français, ils s'en foutent, ça vaut rien. Ben non, pardonnez-moi, c'est une bêtise. Et quand je dis une bêtise, je me retiens d'employer un autre terme. Le français, ça rapporte quand même, pour les hommes en Suisse alémanique, ça rapporte 14%. C'est vraiment pas quelque chose qui est à négliger. Et ça, je pense que ça vaut la peine de le rappeler. Ce qu'on constate, c'est que de manière générale, la rémunération des compétences linguistiques à un certain niveau, elle est 4 points de pourcentage au-dessus en Suisse alémanique qu'en Suisse romande. Alors, c'est lié à des différentiels aussi de revenus, enfin de rémunération dans les différentes régions linguistiques du pays. On ne va pas rentrer trop dans les détails. Je tenais simplement à mettre en évidence le fait que, un, les langues étrangères, ça rapporte. Deuxièmement, les langues nationales aussi, elles rapportent. Pour la Suisse italienne, vous avez des taux extrêmement élevés, ce qui est pas très étonnant pour ceux qui connaissent la Suisse italienne, hein, la situation particulière du Tessin. En ce qui concerne les femmes, voyez, si vous avez des femmes dans les trois régions linguistiques, on a beaucoup de cases pour lesquelles j'ai les lettres NS, ce qui veut dire non significatif. Non significatif, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de rémunération, il n'y a pas d'avantage pour les femmes. Bien au contraire, hein. Il y a souvent certains taux qui sont très très élevés pour les femmes. Mais le problème, c'est que quand on fait ce genre d'enquête où on demande aux gens, ben, juste toutes sortes, on leur pose toutes sortes de questions sur leur vie professionnelle, leurs compétences et leurs revenus, il y a un gros problème. En général, avec les échantillons féminins, c'est qu'un terme déterminant qui est le nombre d'années d'expérience professionnelle va être un terme qui est biaisé. Pour les hommes, c'est assez facile à estimer. Pour les femmes, c'est beaucoup plus compliqué parce que dans nos sociétés, ce sont plus fréquemment les femmes que les hommes qui interrompent leur activité professionnelle ou la réduisent temporairement pour des raisons de famille, d'enfants, etc. Alors ceci, ça introduit, si vous voulez, une instabilité pour le traitement statistique, avec le résultat qu'il y a pas mal de taux qu'on ne peut pas calculer, à moins naturellement de faire une enquête beaucoup, beaucoup, beaucoup plus chère en allant chercher de l'information beaucoup plus détaillée, presque privée, très privée, auprès des personnes interrogées. Alors on a quand même quelques taux qui subsistent, et j'attire votre attention sur la rémunération extrêmement élevée de l'anglais pour les femmes en Suisse alémanique. C'est extrêmement élevé. À part ça, si vous fractionnez ceci par niveau de compétence, un petit peu comme dans la logique du cadre européen, vous voyez que ce qui est le mieux rémunéré chez les femmes alémaniques pour l'anglais, ce n'est pas le niveau de compétence le plus élevé, mais le niveau de compétence en dessous du plus élevé, celui qui est juste en dessous, un résultat qui est statistiquement qui tient bien. Et c'est souvent lié non pas au fait d'utiliser la langue anglaise au travail, mais au fait de ne pas l'utiliser. Qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue d'analyse économique? Sans doute que sur le marché du travail en Suisse alémanique, la compétence en anglais est requise par les employeurs, elle est récompensée par les employeurs, moins parce que ça va être utile en tant que tel que parce que quelque part c'est ce qu'on appelle un signal qui témoigne par exemple de la capacité à acquérir certaines compétences, etc. Du reste, vous avez toute une vaste partie de l'économie de l'éducation et de l'économie du travail qui fonctionne en mettant en évidence l'importance de ce qu'on appelle les signaux.
Alors, on pourrait en parler longuement, mais on ne va pas trop s'attarder là-dessus. Alors, j'ai au fond déjà dit ceci, je ne vais pas le répéter, puisque je vois que le temps passe, hein, donc je ne vais pas relire ceci. On va peut-être se poser quand même la question de la validité de cela à long terme. Ça, c'est une enquête qu'on a faite il y a 15 ans. Et puis c'est assez cher, rien qu'en collecte de données, ça coûte dans les 300 000 francs, sans le traitement. Rien que collecter les données avec lesquelles on va pouvoir faire ce genre de calcul. Alors, c'est donc quelque chose qu'on ne peut pas faire chaque année. Alors, il se pose la question, à long terme, est-ce que ces taux de rendement vont rester? Est-ce qu'ils vont être stables? Et là, on est obligé de faire un petit peu de prospective. Et là, vous reconnaissez peut-être, de nouveau, ceux d'entre vous qui ont déjà croisé un petit peu d'économie dans leur chemin, c'est un graphique de marché dans lequel vous avez des courbes. Attendez, est-ce que j'ai le pointeur? Voilà, ici, verticalement, des courbes d'offres, puis là, négativement, des courbes de demande. Et puis, horizontalement, vous avez la quantité de quelque chose. Ici, c'est la quantité de force de travail avec compétences, par exemple, en anglais. Puis, verticalement, vous avez les primes pour ces compétences. Alors là, c'est comme si vous aviez une quantité, puis là, c'est comme si vous aviez un prix. Alors, dans un graphique de marché, c'est normal, quand le prix de quelque chose augmente, la quantité demandée baisse. Par contre, quand le prix de quelque chose augmente, la quantité offerte augmente. C'est pour ça qu'on a des courbes d'offres et de demandes respectivement orientées de cette manière-là. Alors, au fur et à mesure, supposons que, là j'ai pris l'exemple de l'anglais parce qu'il est évident, supposez qu'au fur et à mesure, on se dise, voilà, les compétences en anglais sont de plus en plus requises par les employeurs. Ça veut dire que vous allez avoir, au fil du temps, une demande qui va se déplacer vers la droite. Supposez que, pour répondre à cette demande, on encourage les gens à acquérir l'anglais en leur disant, ben voilà, il y a une demande sur le marché, ça rapporte, regardez les chiffres d'enquête sur la Suisse, ça rapporte donc, voilà, vous encouragez les gens à acquérir l'anglais. Ça veut dire que petit à petit, vous allez avoir, au fil du temps, des déplacements vers la droite également de votre courbe d'offres. Ok, ça marche comme ça? C'est clair? Ça fait du sens? Bon. Alors, ce qui est important du point de vue d'un économiste, c'est l'équilibre, l'intersection. Parce que c'est cette intersection qui va définir notamment le prix d'équilibre, le prix du marché, en l'occurrence la prime salariale pour les compétences en anglais. Alors ici, vous voyez, j'ai supposé que cette prime salariale, elle était constante. C'est-à-dire que, au fur et à mesure de cette évolution qui renforce la présence de l'anglais, à cause de l'offre et à cause de la demande, on aurait toujours la même récompense. Est-ce que c'est vrai? Alors là, on peut difficilement savoir, à moins de prendre beaucoup d'observations au fil du temps, puis vu le coût de ces enquêtes, là on n'a pas encore eu l'occasion de le refaire. Mais si on raisonne par analogie avec ce qui a pu être observé ailleurs, pas forcément à travers le temps, mais en comparant des lieux avec plus ou moins de compétences en langues étrangères, ce qui semble dominer dans l'équilibre du marché du travail, c'est plutôt cette évolution-là. Donc là, je n'ai pas refait les courbes d'offres et de demandes, j'ai simplement mis les points d'équilibre. Ce qui est probable, c'est qu'au fur et à mesure que la compétence se banalise, la rémunération pour cette compétence va baisser. C'est-à-dire que vous avez ce qu'on a fait, on pourrait dire que l'effet d'offre domine l'effet de demande. Bien sûr, les employeurs veulent plus de compétences en anglais, mais si tout le monde les a, ces compétences, eh bien, c'est plus pour cela que les employeurs vont rémunérer quelqu'un. Vous pouvez faire un parallèle avec la littératie. Il y a un siècle, pas tout le monde savait lire et écrire. Et savoir lire et écrire était un élément qui pouvait contribuer au succès professionnel. Maintenant, c'est banal. Si quelqu'un se présente devant un employeur en disant sur son CV, « Regardez, je sais lire et écrire », c'est un bon début, mais ça suffira sans doute pas. Non? C'est pour ça que, dans les compétences linguistiques, dire aux gens « Apprenez l'anglais, ça va vous rapporter », oui, je pense qu'il faut tout à fait, hein, indépendamment du plaisir qu'on peut avoir à cette langue et de l'enrichissement culturel que ça procure, bien sûr, je pense que c'est tout à fait intéressant, je pense que ça va devenir une compétence peut-être pas aussi impérative que la littératie, mais une compétence assez généralisée, donc il faut encourager les élèves à l'apprendre. Mais je pense pas qu'il faut leur faire croire que c'est avec ça qu'ils vont s'enrichir. Hein, leur dire que l'anglais est la seule langue qui compte dans le monde des affaires, c'est une autre, à mon avis, erreur. Et là aussi, j'emploie un terme très mesuré. Hein. Alors, je pense qu'à ce moment-là, comme les compétences linguistiques ça rapporte, il faut leur offrir d'autres compétences linguistiques, pas à la place, mais en plus de l'anglais, et se pose de nouveau la question de savoir quelle langue, pour quelles raisons, etc.
Alors, très brièvement, je vais parler des taux de rendement sociaux. C'est la case qui était en haut à droite dans le tableau d'il y a quelques dias en arrière. Je ne veux pas trop m'attarder là-dessus parce que ça, je vois que le temps passe. Mais simplement, ceci, ça tient compte des dépenses publiques pour l'enseignement des langues. Et au fond, on a mis en rapport les rentabilités vues tout à l'heure avec les dépenses publiques. Et vu la manière dont ces chiffres sont calculés, ils sont tout à fait directement comparables à des taux de rendement sur les marchés boursiers, par exemple. Et là, vous voyez que la rentabilité des langues étrangères est extrêmement élevée. Enseigner les langues étrangères, alors pour la Suisse italienne, les effectifs sont trop petits pour en être sûr, mais de manière générale, le fait que les pouvoirs publics mettent de l'argent dans l'enseignement des langues, ça veut dire, du point de vue de la société, qu'on a une rentabilité extrêmement élevée. Vous voyez, les rentabilités est donc à peu près hors risque. Des taux de rendement comme ça, les banquiers, ils rêvent de vous les proposer. Il n'y a que des investissements hyper spéculatifs qui font mieux. Dans les investissements au risque, vous êtes bien en dessous. Les obliques de la Confédération, je ne sais pas combien elles sont, mais on doit être royalement autour du 1,5. Hein. Là, on est dans des chiffres beaucoup plus élevés. Tout ça pour dire que l'enseignement des langues, ça rapporte aux individus, mais ça rapporte aux sociétés également. Alors, là, vous avez un petit tableau récapitulatif, mais comme le temps passe, je ne veux peut-être pas m'attarder là-dessus, le commenter nous prendrait beaucoup de temps, mais au fond, c'est une vision d'ensemble de la démarche d'évaluation qu'il faut faire. Pour ceux que ça intéresse, il y a quelques références à la fin, et puis dans ces références bibliographiques, vous retrouverez, pour ceux qui le souhaiteraient, vous pourrez retrouver cette vision récapitulative. J'aimerais peut-être deux, trois mots sur la notion de la redistribution et de l'équité, puisqu'on l'oublie souvent quand on parle de toutes sortes de choses. Les économistes eux-mêmes, ils oublient ça, alors même que les pères fondateurs de la discipline insistent sur l'importance de tout ce qui est justice sociale. Si vous allez voir les écrits d'Adam Smith, qui est l'écossais, père fondateur de l'économie, si vous allez voir les écrits de Léon Valras, celui qui a formalisé la théorie microéconomique moderne il y a environ 140 ans, eux, ils insistent sur l'importance de l'équité, de la justice sociale, pas pour dire forcément l'égalité, mais seulement pour dire qu'il faut se positionner par rapport à ces questions-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? Est-ce que l'équité, c'est quelque chose qui se pose entre catégories socio-professionnelles, entre les riches et les pauvres ? Alors, c'est ce qu'on croit souvent, parce qu'on a tellement l'habitude de penser à l'équité comme ça, mais pas que. On peut aussi définir l'équité en termes de répartition des ressources entre groupes définis sur des bases autres que le revenu, la catégorie socio-professionnelle. Évidemment, entre les hommes et les femmes. Déjà, il y a toutes sortes de mesures de politique publique qui visent à modifier la répartition des ressources matérielles et symboliques entre les hommes et les femmes. Vous pouvez avoir entre les jeunes et les vieux, tous les débats sur la VS, ils tournent là autour. Et puis, vous pouvez aussi avoir des questions qui tournent autour de la répartition des ressources entre les locuteurs d'une langue X et puis les locuteurs d'une langue Y, indépendamment de savoir ce que X et Y représentent. Alors, et vous pourriez naturellement imaginer d'autres dimensions. Donc, dans le cas des langues, on va certainement être amené à tenir compte en particulier de cette dimension-là. Est-ce que telle ou telle politique d'enseignement des langues a un effet plus ou moins positif ou pas sur l'équité en termes de différents groupes ? Alors justement, là il faut faire attention, et c'est là que j'ai une dia là-dessus, sur le risque d'inéquité qui est associé à l'hégémonie linguistique. Alors naturellement, de nos jours, l'hégémonie linguistique, elle pourrait s'exercer, dans une certaine mesure, elle s'exerce déjà en faveur de la langue anglaise. Alors je tiens à insister sur le fait que ça n'a rien à voir avec l'anglais. Les problèmes seraient exactement les mêmes si la langue actuellement internationalement dominante était le swahili
ou le français, ou les FIC, ou ce que vous voulez. Le problème, j'insiste, ce n'est pas l'anglais, le problème c'est l'hégémonie linguistique. Il se trouve qu'actuellement, cette hégémonie linguistique profite à une langue qui est la langue anglaise. Mais distinguons bien les deux niveaux de la question. Alors, quand vous avez une langue qui est hégémonique, on arrive très très vite à des situations qui sont extrêmement inéquitables dans la société, dans la nôtre, mais aussi peut-être au niveau global. À l'époque de la mondialisation, c'est pertinent de se poser cet aspect-là. Vous avez d'abord des énormes marchés privilégiés qui bénéficient aux locuteurs de la langue dominante. Le fait que pour tout ce qui est traduction et interprétation vers cette langue, révision de texte, tous les non-anglophones, à l'occurrence donc anglophones maintenant, mais ça pourrait être, je répète, pour le Swahili ou les FIC, tous les non-anglophones qui doivent produire des textes dans cette langue, mais qui doivent, parce qu'ils la parlent plus ou moins bien, faire réviser leurs textes. Tout l'enseignement, tout le matériel pédagogique, certains des exposants de étages plus haut, comme nous l'a rappelé Léonard, vivent de ça. Ils vivent du matériel pédagogique et ils existent en tant qu'entreprise uniquement parce que c'est l'anglais qui est la langue dominante. Ce ne serait pas l'anglais, ils n'existeraient pas, ils ne seraient pas là. Hein. Donc là, il y a d'énormes transferts en termes financiers. Il y a une économie d'effort de la traduction des messages de ou vers d'autres langues, puisque si votre langue domine, ben vous n'allez plus faire l'effort d'apprendre d'autres langues. Du reste, ça se voit aussi dans le troisième point, effort d'apprentissage en langue 2. Il n'y a plus besoin de traduire, il n'y a plus besoin d'interpréter, mais il n'y a plus besoin d'apprendre non plus. Et vous savez que Claire Short, ministre de l'Éducation au Royaume-Uni en 2000, a décidé que c'était plus nécessaire pour passer ce qu'on appelle les A-levels, donc la fin de la scolarité pré-universitaire en Grande-Bretagne, c'était plus nécessaire d'avoir des crédits en langues étrangères. Tout simplement. Ce qu'on appelle le Foreign Language Requirement, qui était requis des undergrads dans les universités américaines, est quelque chose qui a été aboli dans la grande majorité des universités. C'est nous qui nous fatiguons à apprendre les langues étrangères, avec plaisir, mais en attendant, il ne faut pas oublier que c'est un gros investissement qui empêche de mettre de l'argent dans l'informatique, dans les maths, dans le dessin, dans la musique, dans ce que vous voulez. Tandis que pour ceux qui font l'effort d'apprendre et d'enseigner les langues étrangères, eux, ils peuvent naturellement investir dans d'autres formes de capital humain. Il ne faut donc pas oublier qu'avec l'hégémonie linguistique, c'est les non-locuteurs de la langue dominante qui financent l'avance de ceux dont la langue dominante est hégémonique. Et naturellement, vous savez bien qu'il y a des avantages symboliques extrêmement importants, avec des effets matériels non moins importants, à avoir la maîtrise de la langue. Langue égale pouvoir. Bourdieu, le sociologue français bien connu, l'avait dit, et il faut le répéter, c'est vrai, et ce n'est pas pour rien que vous avez une surreprésentation des anglophones natifs parmi les porte-parole des différents commissaires à la Commission européenne, ou parmi les chefs de division aux Nations Unies. Vous avez, même dans des contextes qui devraient être plurilingues et égalitaires, vous avez là d'énormes effets de pouvoir symbolique qui ont eux-mêmes des conséquences matérielles. Alors je répète une fois de plus, ce n'est pas la langue anglaise qui est en cause. Si c'était le français, ce serait la même chose. Le problème, c'est l'hégémonie linguistique. Donc il faut bien tenir compte de ceci quand on prend des décisions politiques d'enseignement des langues. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Est-ce qu'on tâche de restreindre cette hégémonie? Est-ce qu'on tâche d'avoir des mesures compensatoires, des mesures d'accompagnement? Ceci fait également partie de la réflexion. Alors, ceci est ma dernière diapositive, et puis après on va pouvoir prendre un café. C'est l'avant-dernière. Qu'est-ce qu'on a comme possibilité? Moi, je crois qu'il faut réfléchir à l'avenir en termes de combinaison de stratégies. Trop souvent, on dit « ça, c'est la solution ». Non, non, il y a des solutions. Alors, c'est vrai que je suis très souvent avec des collègues qui, eux, viennent des sciences du langage, qui sont, comme moi du reste, des militants du multilinguisme. Alors, je suis tout à fait d'accord. Le problème, c'est qu'on ne peut pas demander aux élèves d'apprendre 5, 6 langues différentes. Dans le cas de l'Union européenne, vous avez 23 langues officielles. On ne peut pas trop en demander. Donc, il faudra choisir un petit peu. Choisir, ça veut dire quand même plus que langue locale
est une langue internationale, que ce soit l'anglais ou une autre. Il faut vraiment raisonner en termes de multi, ça c'est une chose importante. Et ça, c'est le truc que nos autorités académiques ne comprennent jamais. Ils disent, regardez comme on est multilingue. Oui, ça, on fait du français, de l'anglais à l'université de Genève, bravo. Bien, non. Bon, c'est pour ça que je suis dans un groupe de travail où on a poussé pour dire, non, mais il faut au moins pousser et valoriser le travail en allemand dans une université suisse. Bon, donc, pour qu'on soit véritablement, qu'on offre une éducation, une formation véritablement pluriel. On peut aussi travailler avec cette notion de langue personnelle d'adoption, le PAL, c'est plus sympa en anglais, Personal Adoptive Language. On peut travailler avec ça hein, comme élément de politique. Alors, il y a cette stratégie de la langue unique. Alors, il pourrait y avoir l'anglais, mais il pourrait aussi y avoir l'espéranto, qui offre l'avantage d'avoir beaucoup moins d'effets d'inégalité, pratiquement aucun du reste, à être plus facile à apprendre. Mais ça marche que si tout le monde l'apprend en parallèle. Il y a naturellement le recours à la traduction et à l'interprétation. N'oublions pas qu'il y a toutes sortes de situations dans lesquelles, ben voilà, c'est là-dessus, à cela qu'on s'en remet. Une chose qui me semble extrêmement importante, c'est l'intercompréhension, c'est-à-dire le développement, et ça coûte pas cher au niveau pédagogique, et ça fournit de très rapidement des résultats. Il y a des méthodes pédagogiques qui ont été développées sous l'égide du Conseil de l'Europe et de la Commission européenne pour le développement des compétences réceptives dans les langues voisines. Alors, vous avez un truc qui s'appelle EUROM 4 sur les langues romanes, qui est devenu EUROM 5, puisque après français, italien, espagnol, portugais, on a adjoint le catalan. Mais vous avez un truc qui s'appelle Eurocom Germ, qui est pour les langues germaniques. Comment développer la capacité, avec peu d'efforts, à comprendre, pas à parler, mais à comprendre des langues qui sont proches de la sienne. Et là, on pourrait certainement gagner énormément de choses dans la gestion de la communication multilingue. J'aimerais aussi attirer votre attention sur la nécessité d'éviter certains faux débats. Quand on parle de globish, le globish, excusez-moi, je répondrai à ça en termes de questions après si vous le voulez, le globish ça n'existe pas. J'insiste, ça n'existe pas. Un truc qui n'existe pas non plus, c'est ce qu'on appelle English as a lingua franca, qui est développé par certains collègues pour dire « Ah, mais c'est quelque chose qui est différent de l'anglais et qui, par conséquent, est détaché du substrat culturel anglophone et qui, par conséquent, ne comporte aucun des effets d'inégalité dont on a parlé il y a un instant. » That's bullshit. Sincèrement, ça ne tient pas la route une seconde. Pour ceux que ça intéresse, qui aimeraient voir ça, j'ai fait toute une interview là-dessus dans une publication de la Direction Générale de la Traduction de la Communion Européenne, dans laquelle je développe l'argument. Si vous voulez, je reviens volontiers là-dessus. Mais au fond, ce que les apprenants veulent, c'est pas qu'on leur apprenne un anglais approximatif ou fautif. Ils veulent, et avec raison, qu'on leur enseigne un anglais qui se rapproche, sans forcément être égal, bien entendu, mais qui se rapproche du native speaker norm. Pourquoi? Parce que c'est ça qui est que le marché rémunère. Le marché rémunère pas vraiment des compétences approximatives. Il rémunère des compétences qui sont correctes. Et c'est ça que les apprenants ont envie d'apprendre. Et ils ont parfaitement raison. Alors, c'est pour ça que je pense qu'en attendant, éliminons les faux débats, combinons différentes stratégies, et je pense qu'on peut à ce moment-là s'approcher d'une politique d'enseignement des langues raisonnable. Ici, vous avez un petit résumé, pardonnez-moi, un petit résumé de ce à quoi peut servir l'approche économique. En gros, bien poser les scénarios possibles, informer le débat politique et social et prendre des décisions mieux fondées. Là, on a donc parlé de quelques instruments qui ont pu nous aider dans ce sens-là. Je vous remercie de votre attention. Voilà encore le résumé un petit peu plus élaboré, mais on ne va pas s'attarder là-dessus, le temps passe. Donc effectivement, là, quelques références pour ceux qui aimeraient creuser la chose. J'en ai pris avec moi si vous le souhaitez. Et je vous remercie de votre attention dans nos quatre langues nationales.